Ce doux ronron provient de la Mercedes S63 AMG. Une auto chic et choc, une vraie main de fer dans un gant de velours et de cuir. L'Audi S8 n'a qu'à bien se tenir, la marque à l'étoile châssis 6 sur son territoire. Comme souvent avec AMG, cette S63 ne s'éloigne pas trop du style d'une classe S standard. Elle se contente d'un bouclier plus largement ouvert, de bas de caisse discrètement modifiés ou d'un quadruple échappement siglé AMG. Les jantes noires de 20 pouces viennent lui donner un côté bad boy sans exagération. Et elle a ici le bon goût de ne pas exposer des triers rouges. Sportive, certes, mais grande limousine statutaire avant tout, qu'on se le dise. De discrets logos AMG ornent l'intérieur qui lui aussi privilégie le luxe à l'aspect sportif. D'accord, l'auto se vit surtout depuis les places arrière pour de nombreux propriétaires. Mais quand même, on aimerait tâter des chevaux. Une limousine de plus de 2 tonnes, capable d'abattre le 0 à 100 en à peine 4 secondes, ça ne se rencontre pas à tous les coins de rue. Le châssis de la S63 reste également proche d'une S classique. AMG a revu les éléments de liaison élastique, mais n'a pas touché à la géométrie ou aux matériaux des composants. Pour maintenir idéalement la caisse et assurer un compromis en confort et fermeté, la suspension pneumatique hermatique répond présent. Mais ne nous leurrons pas, la S63 n'aura rien d'une ballerine dans les virages, même en mode sport. Car malgré toute la bonne volonté de la suspension pneumatique, la transmission intégrale et toutes les aides à la conduite électronique, les lois de la physique restent valables. Avec 2070 kg sur la balance, son domaine privilégié n'est pas constitué de petites départementales et de lacets de montagne. Le freinage est tout de même revu à la hausse pour calmer les élans de l'auto et surtout de son conducteur. En option, la S63 peut recevoir un ensemble de disques carbone céramique. Sous le capot se trouve l'objet de toutes les convoitises. Le V8 AMG M157. 5,5 litres, double turbo, 430 kW, 585 chevaux et 900 Nm de couple. Voilà de quoi donner de la voix. Les chiffres officiels annoncent une vitesse maximale limitée à 250 km/h et un 0 à 100 accompli en 4 secondes tout rond. Dans la réalité des faits, on retrouve comme pour le châssis le double visage de l'auto. En mode confort, le V8 se contente d'un joli bruit étouffé et de reprises très convenables. En mode sport, la personnalité est transfigurée. Chaque appui sur la pédale d'accélérateur provoque des montées en régime plus franches, accompagnées d'une sonorité plus rauque et métallique, exprimant ainsi la véritable identité AMG. Mais qu'il s'agisse des accélérations ou des passages de rapport, la S63 garde toujours en tête le confort des occupants qui ne sont jamais brutalisés. Avec un prix de base de plus de 180 000 euros et quelques options, notre modèle d'essai dépasse les 200 000 euros. Mais Mercedes montre qu'il maîtrise son sujet, et toute AMG soit-elle, la S63 ne fait pas exception à la règle. Tout y est pensé pour le confort des occupants, car malgré ses performances de haute volée, elle s'est restée douce et confortable. La belle bat avec le cœur de la bête, et on aime ça.